Noctopolis, bah c'est le dernier monde, hein. Allez. Ah, je crois qu'en plus à Noctopolis, il y a une musique trop cool. Alors... Bon. Je crois que c'est celle-là, hein. Ah merde, attends. Oui non merde, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Quoi, j'aime le goût du risque. Wouah, c'était... Oh. Oui, bah oui! Ok! J'ai compris! Bref. Tac, tac. J'aurais dû foncer. Trois.
1, 2, 3. Toi, tu ne tombes pas, crétin! Je vais l'enculer, hein. Allez, viens, 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 viens là, viens là, viens là. Un peu complexe celui-là en vrai, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Bon alors la télécommande là ça fait du bruit. Ok. On va attendre juste qu'il se retourne et c'est bon. Voilà, facile. Et de deux. D'abord les cadeaux, hein. Vachement inspiré, hein, l'emplacement des cadeaux, hein. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ok. C'est pas speedrun ça en vrai.
C'est pas un peu speedrun? Ah, trop fort. Alors, voyons ici maintenant ce putain de merde des lasers. Oh, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok. Maintenant, il y a un cadeau ici et un autre cadeau là. Comment j'y vais? What? Comment? Ah. En vrai, il me fout la paix ici, au moins. Hein. Ah, wait! Oui, bah tu m'attends, petit bâtard. J'ai l'impression d'avoir grugé, mais ça fonctionne. Pardon. C'est niveau 5 ça, hein, ouais. Alors là aussi, on regarde un peu. Alors déjà la bombe là, je vois pas à quoi elle sert. Bon en fait si. À quoi ça sert ça? Ok, idée. Je suis loupé. Par le haut pour récupérer le cadeau bleu. Ah ouais, peut-être. J'ai déjà oublié en vrai. J'ai déjà oublié. Mini Mario, non! Yop, woohoo!
Oh merde! Bon, j'ai compris comment faire. C'est tricky en vrai, hein. Attends, je me demande. J'ai pas besoin du. En fait, Mini Mario, il va me gêner là en fait. Et vous savez quoi, je me suis trompé. J'ai pas fait dans le bon ordre. Bon. Ah merde, putain. C'est bon. Il n'y a même pas besoin de Mini Mario ici, hein. Le petit niveau bonus. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Bon. Voilà. Ça c'est fait. Bah boss time. Ah non, pas encore, pardon. Niveau 6 d'abord. Voyons. Merde. Et là ça passe, hein. Thank you.
Yop, woohoo, yahoo! Yop, woohoo, yahoo! Yop, woohoo, yahoo! Allez. Ah merde. Attends. Si j'appuie sur cette merde... Attends. Si j'appuie ici... What the fuck? Comment tu fais pour avoir un... Comment tu fais pour passer là? J'essaie de réfléchir. Attends. Là, Mini Mario, il est bloqué. Mais il peut pas monter plus haut. À moins que je ramène la poubelle. On va faire des tests. Hein. Mais ouais, mais ensuite... Pas un test, mais... Oh, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Après ce monde, je ferai juste une petite pause en vrai. Petite pause syndicale. Quoique. Mais non, c'est tout con en fait, attends. Attends. Oh putain, si c'est ça. Oh, c'était ça. Let's go. Oh, c'est trop ingénieux en vrai. Ouais, c'est un peu bâtard, mais moi je trouve ça trop ingénieux.
Alors, là, normalement, c'est puzzle game, là. Enfin, puzzle game. Ok. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. En vrai, c'est le plus simple, ça, je trouve. C'est vraiment ça, c'est vraiment le plus simple, je trouve. Je suis une grosse merde, je suis une grosse merde. Non, ça c'est vraiment le plus facile, je trouve. Hein. Voilà. Aise! Merci. Vraiment, le boss de Noctopolis est ridicule. Hein. Ah, cinématique. Eh, faut regarder! Faut regarder avant de traverser la route, hein, et prenez les passages piétons là, non mais! oula! Oh putain, c'est Dr. Eggman version Donkey Kong! Ok, dernier coup. Yahoo!
Non, ça je ne veux pas, hein, c'est tonneau. Hein. Ok. Non, j'ai dit que je ne voulais pas ces tonneaux. C'est faire. Merci Dr Chips. Ah là, c'était sympa. Putain mais c'est vraiment mes Donkey Kong qui se transforment en Dr Eggman, je m'y attendais pas. Hein. Oh il boude. Oh il boude. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah bah voilà. Et en vrai, ouais, le post-game il rattrape un peu en vrai. Mais je crois que le post-game existait déjà sur le jeu de base. Enfin non, il existe déjà. Ouais. Je crois combien de temps de jeu en vrai hein. J'ai regardé là sur mon truc. Sur le logiciel. Le Enix Api. Ouais, 5 heures, même pas 5 heures de jeu. Même pas 6 heures de jeu, pardon. Hein. Putain, mais il est rapide. Attends, mais il me reste plus que... Il me reste plus que le monde expert et c'est fini. Hein. Mais ouais, en bref, c'est... Oh putain, il aurait mérité mieux. Mais j'avoue que 50 balles pour ça, ça pique. Vraiment, pour moi... Bon, après, je peux pas dire, parce que encore une fois, bon, bah, 37 euros à Leclerc. Mais même 37, ça fait chéros, hein, je trouve. Hein. Bon, bref, pour moi, c'est plus un jeu qui vaut 25-30 balles, hein, pas plus. Hein. Tu divises le prix par deux, je pense que pour moi, il est... pour moi, le résultat est acceptable. En fait, pour moi, ce jeu... Alors, peut-être que tout le monde va pas être d'accord, hein, mais honnêtement, c'est ce que je pense. Pour moi, ce jeu a le même syndrome que le remake de Diamant et Perle. A savoir, ça veut le moderniser un peu, graphiquement, je suis ok, c'est cool. Et encore des EPS, Last of Chibi, tout le monde aime pas. Mais le problème, c'est que ça en fait vraiment pas du tout assez. Ça en fait pas assez, ça fait un jeu assez pauvre, je trouve. Hein. Et c'est dommage, parce que le jeu est sympathique. Moi, j'ai bien... Moi, vraiment, je vous le dis, j'ai bien aimé le jeu. J'ai vraiment bien aimé le jeu. Mais je pourrais pas le conseiller à ce prix-là. Hein. Après, c'est Mario, hein, forcément que j'aime bien. Hein. Bon, est-ce qu'on se fait le mode expert ou on garde ça pour demain en vrai? Soit on est déjà à 2 heures de stream en vrai. Merci d'avoir joué! Ah voilà, ok, le contre-la-montre est quand même là.